Catéchisme de Saint Pie X, page 178. Le septième commandement. Que nous défend le septième commandement? Tu ne voleras pas. Le septième commandement, tu ne voleras pas, nous défend de prendre ou de retenir le bien d'autrui injustement et de faire tort au prochain en ses biens de quelque manière que ce soit. Qu'est-ce que voler? Voler, c'est prendre injustement le bien d'autrui contre la volonté de son maître, et dans le cas où celui-ci a pleine raison et droit absolu de n'en vouloir pas être privé. Pourquoi le vol est-il défendu? Parce que par le vol, on pèche contre la justice et on fait injure au prochain en prenant et retenant contre son droit et sa volonté ce qui lui appartient. Qu'est-ce que le bien d'autrui? Le bien d'autrui est tout ce qui appartient au prochain, qu'il en ait la propriété ou l'usage, ou qu'il l'ait simplement en dépôt. De combien de manières prend-on injustement le bien d'autrui? De deux manières, par le vol et par la rapine. Comment se commet le vol? Le vol se commet quand on prend le bien d'autrui en se cachant. Comment se commet la rapine? La rapine se commet quand on prend avec violence et ouvertement le bien d'autrui. Dans quel cas peut-on prendre le bien d'autrui sans faire de péché? Quand le maître n'est pas opposé ou que son opposition est injuste, ce qui arriverait si quelqu'un était dans l'extrême nécessité, pourvu qu'il prie seulement ce qui lui est strictement nécessaire pour subvenir à son besoin urgent et extrême. Ne peut-on faire tort au prochain dans ses biens que par le vol et la rapine? On lui fait tort encore par la fraude, par l'usure et par toute autre injustice que l'on commet contre ses biens. Comment se commet la fraude? Il y a fraude quand on trompe le prochain dans le commerce par de faux poids, de fausses mesures, de la fausse monnaie et de mauvaises marchandises. Quand on falsifie les écritures et les papiers, en un mot, toutes les fois qu'on induit en erreur dans les ventes, les achats et tout autre contrat, et aussi quand on ne veut pas donner le juste prix et le prix convenu. En quoi consiste l'usure? L'usure consiste à exiger sans titre légitime un intérêt illicite pour une somme prêtée en abusant du besoin et de l'ignorance d'autrui. Quelles autres injustices commet-on contre le bien du prochain? Ce sont des injustices que de lui faire perdre injustement ce qu'il a, de lui faire tort dans ses possessions, de ne pas travailler comme on le doit, de ne pas payer par malice des dettes ou des marchandises achetées, de frapper ou de tuer les animaux qui lui appartiennent, d'endommager ou laisser endommager ce qu'on a en garde, d'empêcher quelqu'un de faire un juste bénéfice, de tenir la main au voleur, de recevoir, cacher ou acheter des choses volées. Est-ce un péché grave que de voler? C'est un péché grave contre la justice quand il s'agit d'une matière grave, car il est très important que le droit de chacun sur son bien propre soit respecté, et cela pour le bien des individus, des familles et de la société. Alors la suite sera la page 181 qui terminera le septième commandement sur le vol. Je place cette vidéo dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.